Shalom, shalom bien-aimé de Dieu. Shalom porteur de grâce. Nous sommes réunis ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges et avec tous les saints et saintes du ciel. Seigneur, nous te magnifions, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour cette nuit que tu nous as donnée d'avoir. Merci de nous réveiller encore en ce matin. Merci pour ton souffle de vie que tu renouvelles en tout un chacun de nous. Pour le don gratuit de la vie, pour tes bontés et tes merveilles qui se renouvellent chaque jour dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur pour nos maisons, pour nos foyers, pour nos nations. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous prosterner au devant de toi, au pied de ta croix, Seigneur, pour te dire tout simplement de prendre tout de nous. Tout ce qui est maux, Seigneur, tout ce qui est blessure, afin que tu viennes encore guérir, que tu nous laisses encore te toucher, que tu puisses encore opérer un miracle dans chacune de nos vies, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais mieux que ce par qui tu es passé pour que nous ayons la vie, Seigneur. Mais Seigneur, nous sommes remplis de toutes choses. Et en ce matin où nous nous préparons certainement à aller dans ta présence pour te rencontrer, pour être remplis de ta présence au travers de ton corps et de ton sang, Seigneur, nous voulons te soumettre nos pensées, te soumettre nos vies, te soumettre nos mots par les mains de Marie, afin que tu puisses encore venir faire comme tu veux dans nos vies. Comme Bartimée, comme la femme à la perte de sang, comme ces lépreux et pour tant de personnes à qui tu as fait du bien, que tu as touché, que tu as guéri, Seigneur. Nous voulons en ce matin dimanche que tu viennes encore nous visiter entièrement, que tu viennes nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Car nous sommes remplis de toutes choses, même nos péchés nous rendent malades, Seigneur. Alors nous t'en supplions, viens encore. Viens encore. Rabouni, viens encore. Rabouni, viens encore. Seigneur, laisse-moi te toucher. Comme
Travers de ton Eucharistie, je viens te présenter mes maux, je viens te présenter mes faiblesses, je viens te présenter mes manquements, je viens te présenter tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, tout ce qui est maladie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est limitation dans ma vie. Tout ce qui est hésitation, je viens te les présenter, Seigneur. Au pied de ta croix, je viens tout déposer. Accompagné de Marie, ma mère, je viens te déposer tout cela. Afin qu'il te plaise, éternel Dieu des armées, de les bannir de ma vie. De les bannir de ma vie. Que tu fasses taire toutes ces voix-là qui ne glorifient pas ton nom. Et en cette nouvelle semaine que tu me donnes, Seigneur, donne-moi de pouvoir rentrer avec toi, rempli de ta présence, renouvelé de toi. Que je puisse entamer cette nouvelle semaine accompagné de Marie, accompagné de ton Saint-Esprit, de tous les anges et de tous les saints. Mais Seigneur, donne-moi encore en cette nouvelle semaine qui se présente à moi de résister à toutes ces voix négatives, de pouvoir résister à tout ce qui est esprit maléfique, à tout ce qui est mensonge, de pouvoir résister à tout ce qui est méchanceté, à tout ce qui est refus de partager, de donner. Viens me guérir de tout cela. Laisse-moi tout simplement te toucher encore, en ce dimanche, mais également tout au long de cette semaine, que je puisse m'approcher de toi, pour toucher le pan de ta robe, te toucher tout simplement, pour être enivré de ta présence, pour être renouvelé. Seigneur, en ce matin, il y a un Bartimée qui t'appelle, il y a une femme à la perte de sang qui t'appelle, il y a un lépreux qui t'appelle. Alors Seigneur, nous t'en supplions, nous t'en prions, va à la rencontre de tout un chacun, visite, touche et guéris. Et fais encore comme bon te semble dans leur vie. Alors bien-aimé, c'est dans cette mouvance que je te souhaite de passer une belle journée dominicale dans la présence de notre Seigneur. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.